Wesh les gars, c'est Eden. Bien ? Super, au fait de vous présenter cette nouvelle série qui va avoir pour but de raconter plein d'histoires marquantes autour du rap. À l'image des vidéos sur les cavales de Mystérieux et de la Crime que je vais sûrement faire entrer dans cette catégorie. Attention, je préfère prévenir et surenchérir là-dessus parce que ça paraît très important. Absolument rien n'est à glorifier dans ces vidéos. Rien n'est jugé ni glorifié. Dans cette vidéo, je me suis beaucoup aidé de l'article du même sujet de Cherry Verse, donc n'hésitez pas à aller check ça, ça sera en description. Et avant de commencer pour l'occasion des 100K, sachez que j'organise un concours pour gagner une paire d'AirPods. Donc va vite me suivre sur Insta et Twitter pour pas rater l'occasion. J'en parle davantage en fin de vidéo pour plus d'infos. Si après vous me dites que je rends pas l'argent, moi je comprends plus. Hein. En attendant, let's go pour la vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un rappeur en cavale, Proxénète, impliqué dans des affaires criminelles qui a été expulsé de son pays. Depuis quelques années maintenant, la scène québécoise arrive petit à petit jusqu'à nos oreilles dans l'Hexagone, avec des textes bien crus qui racontent une autre réalité que celle des mecs toujours sympas qui mangent des poutines en North Face 700. On parle aujourd'hui d'un homme qui a totalement chamboulé la presse canadienne, de par son expulsion du pays, sa cavale, ses différents déboires avec des actrices. Inima ou Samir Slimani est un rappeur canadien d'origine algérienne. Il est arrivé au Canada à 11 ans dans le quartier de Saint-Léonard à Montréal. Avec un grand attrait pour l'argent, il va vite se lancer dans des activités peu conventionnelles comme le proxénétisme, possession d'armes à feu ou encore le trafic de stupéfiants. Ces activités vont poser de grandes bases sur son univers musical. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le proxénétisme, je vous laisse la définition quelques secondes à l'écran pour que vous compreniez de quoi on parle. Enima rappe depuis son enfance mais prend en main les choses sérieusement en 2016 avec En attendant MMS volume 1. MMS ou My Money Straight qui est un peu la devise de l'artiste. Et c'est en 2014 qu'il est interdit du territoire du Canada pour cause de grande criminalité. Il avait cependant obtenu un sursis pour des motifs humanitaires, ce qui basiquement lui permettait de rester au pays à certaines conditions, dont se rendre une fois par mois dans un commissariat et suivre une thérapie. Un sursis qui durera jusqu'en 2024. Enima se voit boycotter de nombreux festivals et détient une réputation de plus en plus sulfureuse à cause de ses antécédents. Il est même le sujet de nombreux plateaux de télévision. Le Québec, très fermé vis-à-vis du rap, condamne beaucoup le style. Ce qui fait qu'à la télé, à la radio, dans les médias ou même ailleurs, on ne parle pas de cette musique et de ce style de vie. On va leur montrer parce qu'il y a une réalité ici qui existe. Le Canada, c'est le Canada, ouais, c'est beau, mais c'est sale ici. Est-ce que tu peux imaginer ça dans un gala sérieux? Le gars, il dépasse pas les 100 000 vues au bout d'une semaine. Comment tu sors un clip, tu fais 40 000 vues en deux semaines? Je te sors un clip, je fais un demi-million en deux semaines, mais... On va pas en parler, on va jamais vouloir le mettre ça, parce que pourquoi? Parce que dans mon clip, il y a une réalité. Petite anecdote, lors du festival Métro Métro où Enima a été présent, l'actrice Ludivine Redding, une actrice québécoise, est sur une photo où elle embrasse le rappeur sur la joue. Seulement l'actrice en question Ludivine Redding joue pour une série s'appelant Fugueuse. Fugueuse qui est justement une série qui met en garde les jeunes filles contre le proxénétisme. Problématique. A partir de là, un gros bordel s'est déferlé sur les réseaux sociaux, tout le monde s'est insurgé contre l'actrice qui a dû écrire un communiqué d'excuses sur Facebook. Et Enima, vous le connaissez, ne pourra pas s'empêcher de répondre à ça. S'ensuit d'autres stories. Oh, ça me fait vraiment plaisir. Merci Ludivine, merci Fanny. I love you. Vraiment sincère, je la trouve vraiment attirante pour pas que personne. Il fait aussi beaucoup du proxénétisme son fonds de commerce. C'est un sujet qui revient beaucoup à travers sa musique. En 2017, il était arrêté à Brampton en Ontario pour voie de traite de personnes et proxénétisme. Enima s'est beaucoup joué de cette image sur ses clips, comme notamment sur Détour où il nargue toutes les autorités québécoises en reprenant des passages audio. Les autorités canadiennes sont tellement pas convaincues que ce gars-là est réhabilitable. Il fait ben trop la promotion de la violence dans son œuvre de rapper, dans ses chansons. Si on l'écoute, Enima, ben c'est pas une surprise. Je veux dire, dans tous ses morceaux, il parle de ce mode de vie-là. Il est accusé de proxénétisme en Ontario. Il est en attente d'un procès pour voir s'il va être jugé, accusé ou non. On a le droit à la liberté d'expression, mais à un moment donné, la liberté d'expression, elle n'est pas absolue. Les dérives continuent jusqu'à ce qu'une fusillade éclate à Toronto, qui, d'après les rumeurs, aurait confronté Enima à d'autres rappeurs québécois. Fusillade dont on le soupçonnerait d'avoir tiré sur un homme et de lui avoir infligé de graves blessures. Cependant, Enima ne se rendra pas au jugement et partira en cavale en Algérie. Il donnera plus aucun signe de vie quand le tribunal essaiera de le joindre par téléphone. Il fait donc désormais l'objet d'un mandat d'arrêt de l'agence des services frontaliers du Canada, qui fait que, basiquement, s'il est retrouvé au sein du pays, il sera expulsé. Il est aussi encore recherché par la police de Montréal pour une affaire de fusillade. Son sursis est donc annulé par la commissaire Mélanie Raymond qui a déclaré « Le défaut de Monsieur Slimani de se présenter à son audience et de respecter les conditions imposées par son sursis démontre le manque de respect de Monsieur Slimani envers les institutions et que sa démarche de réhabilitation n'était pas sérieuse. A partir d'ici, plus aucune nouvelle jusqu'au clip d'Alaise qui montrera que, expulsé ou non, il est tranquille en Algérie, toujours en arguant le système judiciaire québécois avec des extraits audio des autorités à son sujet. Le rappeur Enima est recherché par la police de Toronto parce qu'il aurait, il y a quelques temps de ça, ouvert le feu sur un autre homme à Toronto. Donc cette fois-ci, il fait l'objet d'un mandat d'arrestation pour un événement qui est survenu en juin à Toronto, donc il est soupçonné d'avoir tiré sur un autre homme, lui causant des blessures sérieuses mais non menaçantes pour sa vie. Il est recherché pour plusieurs chefs, donc voies de fait graves, possession d'armes, infractions liées aux armes à feu.
Et de ce qu'on sait, il se trouve actuellement en France. Mais sur ses posts Insta, il n'hésite pas à poster des photos localisées à Montréal, des stories dans des endroits bien précis pour provoquer l'agence des services frontaliers du Canada. Hop hop hop, ça y est, t'es aux trois quarts de la vidéo, tu peux laisser un abonnement quand même. Allez, un petit like, c'est bon. T'es vraiment un mec en or, c'est abusé. Validé par Booba, il fait petit à petit son bonhomme de chemin en France, comme il le dit dans de nombreuses interviews. Enima, c'est quelqu'un qui va beaucoup viser l'Europe à cause de la scène québécoise qui reste très réduite. Des 4-5 millions de vues là-bas, c'est un vrai truc de fou, c'est une vraie star. C'était la guerre et toi tu danses. Tête et cache, seul tu manges. C'est pas le papier qui nous change. On sait que ça va et ça revient. On aime ce genre de shit, tabarnak. En France, il est également très proche de Tortoise avec qui il a feat sur le titre Mi Amor. Il a même sorti un feat avec Migos, et pour raconter toute l'histoire de ce featuring, Enima travaillait avec un producteur qui lui devait quelque chose, on ne sait pas quoi exactement. Comme monnaie d'échange, il lui a marchandé un feat avec Migos, mais ce n'était pas réellement un vrai featuring. Tu veux que je t'explique la vraie histoire du feat? Je veux qu'il m'explique la vraie histoire du feat, parce que ça c'est incroyable ça. Je vais t'expliquer c'est quoi l'histoire du feat. Le producer, il travaille avec des gars ici à Montréal. Ils étaient venus ici. Finalement, ce producteur-là qui a produit cette chanson-là, il devait quelque chose. Après toutes ces étoiles-là, on peut pas dire, il devait quelque chose et ça a fini que ça a mal fini parce que lui a voulu d'un sens rembourser ça avec ce featuring-là parce qu'il avait le projet, tu vois. C'est pas un featuring qui a été accepté par Migos. C'est un truc qui devait déjà sortir dans quelques mois. Il a essayé de vendre le truc en sachant que ça allait sortir. Donc on a pris le truc et on l'a juste et on l'a sorti avant que ça sorte parce qu'il disait ouais, il faut. Dans le fond, il essayait de passer une vite, il a essayé de prendre de l'argent en disant ouais, t'inquiète, sors-le pas tout de suite, attends, on va clairer les vocales parce qu'il savait qu'il sortait anyways. Mais moi, j'ai compris le truc vite, alors je l'ai sorti avant. Ah, donc ça veut dire en vrai, c'est une douille. En vrai, ce feat, c'est une douille. Ouais, il s'est mis dans la merde parce que le mec a essayé de vendre le truc à nous. Mais nous dire que les vocales sont bloquées, on peut pas le sortir jusqu'à dans 6 mois parce qu'il savait que anyway dans 3 mois il allait. Merci d'avoir aimé la vidéo mon frérot, si t'as kiffé n'hésite pas à lâcher un petit like et un abonnement si tu fais toujours pas partie de la famille. Comme vous le savez tous, on a dépassé les 100k et pour l'occasion j'organise un concours pour gagner une paire d'AirPods. Tout ce que t'as à faire c'est t'abonner à ma chaîne YouTube, t'abonner à mon Twitter, Insta ou même les deux. Si tu participes aux deux, t'auras deux fois plus de chances d'être sélectionné, tous les liens en description et en commentaire. Et à propos de la vidéo, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé en commentaire. C'est un truc que je voulais développer avec l'apport des vidéos sur Lacrim et Mister You. J'avais déjà pensé à la cavale de ZKR mais je sais pas s'il y a assez d'éléments pour en faire une vidéo entière. Bref, merci d'avoir aimé la vidéo en entier frérot, passe une bonne journée ou une bonne soirée, ciao.